Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'attaquer à la salle de bain des enfants. Comme vous le savez, comme vous l'avez vu, j'ai fait la salle de bain parentale il y a 2 semaines et aujourd'hui, je vous propose un ménage extrême de la salle de bain des enfants ainsi qu'un gros désencombrement des tiroirs. Et croyez-moi, il y avait du boulot. Je pensais faire ce travail sur 2 jours, mais j'ai été tellement motivée que je l'ai fait sur 1 journée et croyez-moi, j'ai mis 3 jours à m'en remettre physiquement. Je n'en pouvais plus, j'avais des courbatures de partout. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Quand on rentre dans la salle de bain, et bien écoutez, je vais virer la table à langer puisque Ambre n'y va plus, voilà. On la met même plus dessus, ça sert juste à entreposer les choses. Donc voilà, je vais la virer, je vais la mettre dans mon nouvel endroit de stockage, c'est-à-dire le futur bureau en attendant de la vendre. Je vais virer l'étagère ici aussi. Et là, je vais commencer par nettoyer tout ce mur. Et cette fois-ci, j'ai décidé de nettoyer avec exclusivement le vinaigre ménager de chez Action. Donc je vais nettoyer tous les murs avec ça et l'intérieur de la douche, baignoire et compagnie. Là, je vais nettoyer avec le Chanteclair au savon de Marseille puisque c'est les deux produits pour moi qui sont réellement efficaces. Donc ensuite, quand on arrive là, et ben les jeux qui sont ici, ils iront gentiment à la poubelle puisque les filles ne prennent plus de bain. Elles sont douches, elles ne sont pas du tout bain. Le tapis là-bas qui est complètement noir, ça va aller à la poubelle aussi. Je vais nettoyer ici tout ce qui est en bas. Là, je vais même pas passer un coup de nettoyeur vapeur. Ça va aller tout de suite avec le Shogun. Ça va être largement plus efficace. Ici, ce sera la chose que je nettoierai en dernier. Puisque, comme vous le savez, bordel. Donc, je nettoierai, désencombrerai. Et on viendra faire la vidéo organisation plus tard. Là, comme vous pouvez le voir, ça s'ouvre même pas. Voilà. Et ensuite, la douche, ça va être comme de l'autre côté, quoique celle-ci, elle est un peu moins calcaire. Et je commence par enlever la table à langer ainsi que mon étagère pour pouvoir nettoyer tout ce pan de mur. Et je vais nettoyer ce pan de mur avec mon vinaigre ménager à la menthe de chez Action, comme je vous l'ai dit en intro, ainsi qu'une microfibre qui sera humide. Cette fois-ci, elle ne sera pas sèche. J'ai aussi nettoyé la fenêtre, je n'ai juste pas les plans du film, tout simplement parce que j'ai oublié d'appuyer sur le bouton play quand je l'ai nettoyé. Et concernant la baignoire, je vais nettoyer tout autour de la baignoire avant de m'attaquer à l'intérieur de la baignoire. Shining star, giving, receiving, changing, believing, holding them like a star. Je décide de nettoyer la robinetterie avec une brosse à dents puisqu'il y avait du calcaire qui ne partait pas. Et même avec la brosse à dents, le calcaire était quand même assez résistant.
Je suis allée récupérer mon éponge spéciale pour les plats à gratin pour essayer d'enlever, mais rien n'y faisait. Du coup, je décide de mettre du vinaigre concentré et de laisser poser et de continuer mon petit ménage jusqu'à ce que le vinaigre y pose et que je puisse tout enlever correctement. Et du coup, ce produit est nickel, tout est parti et il y a même des traces qui ont volé. Je ne sais pas si vous allez le voir, des traces noires à la caméra, mais c'était vachement impressionnant. En tout cas, je suis très contente puisque ma robinet de tri est nickel. Je poursuis avec le nettoyage de ma double vasque et je fais exactement pareil, je mets le produit, je laisse poser, je continue le ménage sur les murs et je reviens ensuite tout nettoyer. Et pour nettoyer les pieds de mes meubles, j'utilise toujours mon chiffon magique Ilbase. Pour ceux qui arrivent sur ma chaîne et qui ne connaissent pas ce chiffon, c'est un chiffon qui suffit juste d'humidifier et il va nettoyer tous vos miroirs, votre robinetterie, vos portes de placard si elles sont laquées, sans laisser de traces. Je vous ai fait un crash test à ce sujet, pardon, et je vous la mets dans le petit et en barre de description. J'ai même le lien pour vous le procurer sur Amazon dans la barre de description. Time is standing still as I let go of your cold hand. Eyes are wet, but lips are dry, and all the things we'd planned were never what you wanted. We've been lying from the start. Yes, I knew. Évidemment, on enlève le rideau de douche pour le passer à la machine et on nettoie toute la douche, VMC comprise. Alors le rideau de douche, moi, je le lave à une fréquence de une fois par mois. Et quand je vois qu'il n'est absolument plus nettoyable, eh bien je le jette et j'en rachète un autre. Mais croyez-moi, en le lavant une fois par mois, dans l'année, j'en rachète peut-être une ou deux fois, mais grand max quoi. Mes rideaux de douche viennent de chez Action et généralement, ils me tiennent quand même une année. Et je vous partage aussi une astuce pour nettoyer vos joints. Il suffit d'utiliser du produit au savon de Marseille. Là, j'ai utilisé le Chanteclair et une brosse à dents et vos joints vont redevenir blancs tout simplement. Vous avez aussi l'option du produit WC. Mais croyez-moi, si vous avez ce produit-là dans vos tiroirs, utilisez-le et vous n'en serez plus que ravis. Lying on my own, the sheets are covered in your scent. Really tried to fall asleep, but I can't understand. Though we both felt kind of lonely, I still always thought you loved me. When I tried to let it go, the sheets are covered in your scent. I guess I saw it coming, yet it took me by surprise. Oh, oh. But if there's nothing left to cry for, then I will just crack a smile. Oh, oh. Si vous avez Instagram et Facebook, n'hésitez pas à me rejoindre sur mes pages. Je vous partage mon quotidien. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Je rappelle qu'à ce jour, il y a plus de 3000 personnes qui suivent mes vidéos régulièrement et qui ne sont toujours pas abonnées. Alors, qu'attendez-vous? C'est gratuit. Et de plus, ça me motive. Vous me motivez en vous abonnant. J'attaque ensuite la partie réorganisation, mais avant ça, il faut tout nettoyer et tout sortir. Et vous verrez que le tiroir du bas, je ne sais pas ce qui a coulé, mais en tout cas, ça a coulé, ça a fait des trucs dégueulasses. Et c'était compliqué à enlever et que j'ai bien galéré à tout nettoyer. Et je peux vous assurer que c'était la partie la plus longue. Thank you.
nous sommes d'accord que c'est un gros désencombrement et une petite organisation provisoire avant la grosse réorganisation. D'ailleurs, n'hésitez pas à activer la petite cloche pour savoir quand c'est que sortira cette fameuse vidéo organisation. Cette fois-ci, je n'ai pas utilisé mon aspirateur, c'est pour ça que ça m'a pris un peu plus de temps, tout simplement parce que mes filles dormaient, elles ont leur chambre juste en face et je ne voulais tout simplement pas les réveiller. Et voilà tous les produits que je vais jeter qui ne sont plus bons et mes pinceaux que je vais devoir laver. Je poursuis avec le nettoyage de la salle de bain avec mon aspirateur Ultenic U10. Je vous mets le lien de la vidéo crash test dans le petit et en barre de description. J'en suis très satisfaite et je poursuis avec le nettoyage de mes joints avec mon produit Shogun Fuja Clean. Alors c'est la première fois que je teste ce produit avec la brosse à dents et croyez-moi que le résultat est tout simplement dingue. Vous avez vu la crasse qui sort directement des joints et mes joints vont être ultra blancs ensuite, ça va être impressionnant. C'est franchement mon produit chouchou. Si jamais vous souhaitez vous le procurer, je vous mets toutes les infos en barre de description de mon contact puisque les produits Shogun, on doit les acheter avec des conseillères. Je viens ensuite bien rincer. Alors j'ai rincé avec mon balai voilà à pression de chez Action, mais je recommande largement de rincer avec une serpillière normale, c'est beaucoup mieux. Je nettoie ensuite vite fait mon étagère et le tour est joué. Et voilà le résultat, une salle de bain toute propre, toute neuve, j'ai envie de vous dire. Il me restera les joints de la baignoire à refaire. J'ai demandé à mon beau-père, j'attends qu'il vienne me les faire tout simplement. Et j'ai même envie de vous dire, cette salle de bain, on a l'impression qu'on est juste en train d'emménager tellement elle est toute propre. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et un petit pouce vers le haut. Et moi, sur ces belles paroles, je vous dis à mercredi pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, ciao.